Et salut tout le monde, c'est Steam. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Gotham Knights. On y est. Tout le monde en position. Drone en stand-by. GCPD est en place. Chaque étage de Kane Industries est protégé par un blindage breveté. Vous allez devoir escalader le bâtiment. Ce sera pas un problème. Ok. Bon, pas un problème, mais c'est haut, hein, la vache. Et je peux pas y accéder comme je veux, j'ai l'impression. Faudra faire un petit peu le tour. Eh oui. Attention, des signalements d'activité de la Ligue des Ombres proviennent de tout Gotham. J'espère qu'ils partiront après l'arrestation de Jacob, comme Talia l'avait dit. Je voudrais pas te blesser. Mais je vais te tenir bien longtemps. Bah, mais t'es marrant, toi. Bon, on y est. Fais attention sur le toit. Y'a des gardes qui t'attendent. Jacob Kane a l'une des meilleures sociétés de sécurité privée du monde. Les gardes ne seront pas des débutants. Allez, on le met à terre. Bon, ça va, ils sont assez tranquilles. Oh, classe! Y'a pas un bouton pour forcer l'arme à se recharger? Il faut être plutôt parano pour mettre des armes anti-aériennes sur son toit. Selon les plans, le bunker est protégé par le même blindage qu'à l'extérieur. Seule la technologie de Kane pourrait le percer. Il vous faut une découpeuse laser. Kane en a une dans la zone de stockage des munitions. D'accord. C'est ici, du coup. Ah, nickel. Ça a l'air d'être du lourd, et sûrement expérimental. On dirait que ça sort des années 80. Je suis une perceuse laser, prototype au numéro de série KD-847. Oh, cool! Ça parle? Attention, ce prototype est à usage unique. J'ai pas intérêt à rater. Maintenant que vous avez le laser, vous devez trouver comment accéder à tout l'étage. Prends la carte d'accès de quelqu'un. On pourrait y mettre ta signature biométrique. Attention, gardons l'approche. Juste à temps. Oh, j'avoue, c'était chaud là. Je sais, mais pourquoi les couper tard? On est attaqué par des drones inconnus. Recharge d'abord, des questions après. Oui, chef. Je vais leur demander pourquoi ils sont là. Oh, vas-y. On peut perdre de temps. Je ferais mieux d'aller voir. Putain. On va gérer. C'est mieux. Il est là. Ah.
tuer, t'as compris? Nous y voilà. Il faut réécrire cette carte pour correspondre à tes données. Cherche le poste de sécurité. Beffroi, la carte fonctionne pas. T'as écouté au moins? Il faut réécrire cette carte pour correspondre à tes données. Cherche le poste de sécurité. Ouais, non, mais ça doit être ça. Ah, il y a un trou. À mon avis, on peut passer au-dessus et sortir de l'autre côté. Cool, je devrais pouvoir accéder à tout ce qu'il y a ici. Juste aller là, parce qu'il y a un petit coffre. Sécurité est toujours comme ça? Les choses sont pires dehors. Ça fait tellement mal, et puis quand ça tue pas, ça congèle direct avec les effets. Ah bah dis donc. Kane utilise un réseau de caméras à détecteur de mouvement. Il serait judicieux d'éviter toute détection. Si on te repère, tu devras rejoindre vite fait la console de sécurité pour relancer le système. C'est bon, j'imagine. C'est le bureau de Kane. Selon les plans, l'ascenseur privé pour son bunker devrait être par là. Ce bureau correspond pas au plan. Il en manque un bout. Un sudoku. Mais la version d'un riche connard prétentieux. Oh, mais j'adore le sudoku. Chaque symbole ne peut apparaître qu'une fois par rangée, colonne et carré. Bonne chance.
Tu y arriveras plus vite que moi. Oh, ça doit pas être très compliqué. Non. Non plus. Ah si, c'était bon, je crois. Oui, celui-là. Nickel. Oh, ça, c'est pas très compliqué. C'est juste que les symboles, ils sont un peu bizarres. C'est plus dur que ce que je pensais. Non, mais pas. Chaque case doit contenir un symbole, n'oubliez pas. Peut-être. Oui. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. Je me demande ce que Kane cache ici. Un tableau louche. Ah. Ce globe est relié au tableau. Les globes n'ont pas besoin d'être liés à un tableau. Kane a dû regarder trop de films d'espions. Blindé. Rien ne le traversera sauf la technologie de Kane. Ah bah nickel. On a ce qu'il faut. Allez, laser. C'est à toi de jouer. Je suis une perceuse laser, prototype au numéro de série KD-847. Je sais. Mais comment je te fais découper, hein? Découpage. Y'a moyen de régler le volume là-dessus? Négatif. Hé, mettez mon évidence, Robin. Ah, Robin. Tu vas finir avec les menottes. Quoi, ça? Ça se passe bien. On relance la perceuse. Je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Ils sont un peu nombreux. Merde, qu'est-ce qui se passe? Mais laissez-moi! Oh, c'était immonde. On a
réussi à suivre Kane jusqu'à l'ascenseur. Une fois là-dedans, dépêche-toi. Quand l'ascenseur s'arrête, le reste de la mission décompte-toi. Réfléchis et avance prudemment. On a des infos sur ce à quoi s'attendre en bas ? Ce qu'on sait, c'est que l'ascenseur relie directement le bureau de Kane à un bunker, quelque part sous le bâtiment. L'ascenseur descend. Compris. Kane a pu installer n'importe quoi dans ce complexe. Arrête. Ah, si ça casse toi. Brèche de sécurité dans l'ascenseur. Renfort déployé des secteurs 5 à 7. Qu'est-ce qui se passe ? C'est encore les escaliers de la mort ? Non, madame. On dirait une intrusion de justicier. Richard, faut qu'on l'arrête avant qu'il choque le colonel Kane. Allez, objectif bonus, c'est fait, c'était pas bien compliqué. Puis c'était intéressant de le faire surtout. Je crois que l'intelligence artificielle du jeu, c'est peut-être la pire de tout ce que j'ai pu voir. On a souvent critiqué Assassin's Creed par exemple. Et là, c'est pire que ça encore, c'est pire que ça. Il y a toute une salle de conseil de guerre. On se croirait au Pentagone. Kane doit causer de gros problèmes pour avoir besoin de tout ça. Ah, les gorilles de Kane sont balèzes. Comment ils les entraînent ? C'est peut-être comme ça qu'ils font les ergots. Nickel. Bon, je peux que descendre. Je viens de trouver les limites de ma carte d'accès. Beffroi, il y a un genre de funiculaire. Vous pouvez le pirater à distance ? Je vois tout un tas de boutons. Il y en a un marqué funiculaire. Ça veut dire quoi, funiculaire ? J'imagine que c'est ça. À tout le personnel de sécurité, des
intrus se sont introduits dans les niveaux inférieurs. Armez-vous. Ce sont des justiciers. La menace est sous contrôle. Je suis toujours là, hein. Des ergots. Écoute-moi ça. Non. Ok. Ah voilà, ça c'est bien. Ok, je suis prêt. C'est bon ? Vous arrêtez de venir là ? Vache. Est-ce que tout va bien? J'ai juste entendu ergo. Je crois. S'il déploie des ergos ici, c'est qu'il est désespéré. Attention. Qui sait ce qu'il a encore en réserve? Allez, par là. Ah oui, non. Évidemment. Allez. On dirait que cette pièce contrôle l'alimentation du bâtiment. Ça fait beaucoup pour un seul bâtiment. Coupe le courant. Je
serait sûrement piégé ici si on faisait ça. Je dois trouver un autre moyen de passer. J'ai jamais vu un réacteur de ce genre. Que du feu et des gaz toxiques. Le réacteur a l'air plutôt mortel. Et si c'était le but? Quelqu'un est encore connecté au système? Oui, qu'est-ce que je dois faire? T'as un truc qui dit réacteur? Ouais, j'ai un mode diagnostic réacteur juste ici. Oh, lance ça s'il te plaît. Ah ok, on peut passer au... Ok. J'ai l'objectif de récupérer 4 coffres. Oh, on va voir s'ils sont sur la route. Il y en a un juste au-dessus. Oh, vas-y, j'ai la flemme d'aller là-haut. Mais j'avoue, quoi. J'avoue, j'ai grave la flemme, j'ai pas envie. Il fait froid. J'ai atteint ce qui ressemble à un repère de la cour des hiboux derrière le réacteur. Je vais jeter un œil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, je suis tout seul. Ces efforts, c'est l'héritage de Gotham. Ils n'ont donc rien compris. C'est bon. Là, ça va être compliqué. Il vaut mieux aller voir. Ouais, allez voir. Des autres qui ont débarqué, quoi. Mais... C'est tellement chiant pour descendre des rebords aussi. C'est genre, si t'es pas en face avec la caméra, tu peux pas descendre. Bon. Beffroi, vous êtes là? Il n'y a plus. Rien n'entre ni ne sort sans que je l'ai décidé. Et là, vous me dites que c'était votre plan que j'atterrisse là. Je connais ce matériau.
Si j'avais encore le laser qui parle. Ouais, mais on l'a pas. Ah, il y a peut-être un truc à faire avec ça, là. Oh, ok, il y a un canon. Quelque chose pour la porte blindée. Les commandes de la grue ? Trop facile. Position du chargement non valide. C'est clairement pas l'épisode le plus marrant. Hein. On dirait que Kane va devoir mettre la main à la poche. Système d'armes activé. Je vous demande de vous arrêter. Revenez ici. Pour lutter contre la Ligue ? Pour sauver Gotham elle-même. Gotham a besoin de chasseurs. De nouveaux chevaliers. Ils s'épanouissent dans l'ombre comme vous à l'époque. Comme vous maintenant. Contrairement à toi, ils restent à leur place. Ok. Ça c'est nickel, bon endroit. On s'emballe pas. Oh, tu fais quoi là? Oh non, il se soigne. Ouh. Je sais pas si vous m'entendez, Kane, mais je viens vous chercher. Évidemment, vous avez un sous-marin. Vous êtes pire qu'une plate. Je vous laisse une chance. La gâchez pas. J'ai pas envie de vous faire du mal inutilement. Je vous ai laissé une chance à l'Orchard. Mais vous avez échoué, comme avec Bruce. Avec un autre Robin, il serait encore en vie. Gotham ne croira pas que la cour existe. Encore moins que j'en suis la voix. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste que les gens croient que vous avez tué Langstrom. Et quand bien même. Hein ? Où est le journaliste qui en parlera ?
ou de l'agent qui m'arrêtera. Sans parler d'un juge pour me condamner. Ils vous attendent dehors, en fait. Enfin, peut-être pas la juge. Ma femme est toujours commissaire. Je serai dehors en un clin d'œil. Tenez, Montoya, Jacob Kane, quasiment intact. On travaille avec des justiciers. Catherine va vous retirer votre plaque pour ça. Ça vaut le coup si ça peut vous envoyer en tôle. Avec des justiciers pour se débarrasser de moi. Vous avez de gros ennuis. Catherine, dis que je suis innocent. Arrête un petit bobard, Jacob. Ne dis pas un mot de plus. Jacob! Jacob! Évacuer ces gens. Trouver qui a fait ça. Et chercher partout. Inspecter les toits. Allez. Talia vient de tuer Jacob. Elle essaie de s'échapper, mais je la suis. Ne la lâche pas. Je sens qu'on va se taper tout Gotham, là. Je continue de la suivre. Elle va vite. Suivez-la. Il n'y a pas tant de toi que ça. Arrête-toi. S'il te plaît. Continue. Je vous ai dit qu'on allait se taper tout Gotham.
Tiens. Je crois que Talia va à la tour Wayne. J'avais un plan. Kane allait répondre de ses crimes. Et tu l'as assassiné. Non, nous l'avons assassiné. La Ligue des Ombres te remercie pour ta collaboration. Bruce n'a jamais été aussi utile. T'as donc bien pris la tête de la Ligue. Il a dû falloir des années pour orchestrer ça. Des décennies. Mon père n'avait pas une vision aussi claire que la mienne. Et sans lui, la Ligue pourra pleinement s'accomplir. Je suis surpris que t'aies pas tué Raz toi-même. J'en avais pas besoin. Bon, t'as eu tout ce que tu voulais. Ça veut dire que la Ligue quitte Gotham pour de bon, on est d'accord? Leur char d'hôtel n'était qu'un début. Notre action à Gotham servira à la fois de phare et d'avertissement. Dans un déluge de sang, nous éliminerons la corruption de cette ville, et bien au-delà. Un torrent de sang, ça fait pas très équilibré. C'est même plutôt le contraire. Alors ne perdons pas de temps. Je t'épargnais uniquement pour me servir de toi. J'imagine que c'est le lot d'un pion de finir sacrifié. Je suis pas ton pion! Et Bruce non plus! Ton petit jeu s'arrête maintenant. Même Bruce te l'aurait dit. Rien ne peut arrêter la destruction en marche. Adieu. Ok. Déjà que un c'est chiant, mais alors quatre. Non, j'ai esquivé. L'activité se calme sur la fréquence de la police. Revenez au beffroi dès que vous le pouvez. Je savais qu'il fallait s'en méfier. On avait coffré Jacob. Il allait enfin rendre des comptes. Et maintenant, elle a tout ce qu'il faut pour lancer la nouvelle phase de son projet. Elle va prendre nos alliés pour cible, pour nous maintenir à l'écart. Tout à fait. J'ai déjà pris l'initiative de les prévenir. Lucius s'est retranché dans un endroit sûr avec une équipe de protection. Et Montoya mobilise ses personnes de confiance. Ça ne suffira pas. Ils mourront sans notre aide. La Ligue frappe. Partout dans la ville.
Ça a déjà commencé. Bon, c'était clairement pas un chapitre de ouf. Mais fallait le faire, parce que sinon on peut pas faire les autres. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi l'épisode, on se retrouve très vite pour la suite en tout cas. A très bientôt, ciao tout le monde.